Il y a eu un deuxième kill. Il y a eu un deuxième kill. Il y en a deux qui ont déjà live, qui ont quitté notre monde. La Paloma, le fight. Le Varesh, c'est un Varesh, pardon, je pensais que c'était un Shifu. C'est un Varesh. Il se TP, attention, le snare. La Paloma, elle est morte. Et c'est le premier kim de la part de Egg. Pardon, excusez-moi, on revient en arrière. Le Glanicon qui, malheureusement, c'est Glanicon, je crois qu'il va mourir. Ah, il est tué par la Freya. Non, c'est pas, il est tué par le Shifu, pardon. C'est Glanicon qui a fait son deuxième kill. Glanicon qui est en train de rouler sur le tournoi, qui est quand même à deux kills là-dessus. Le tonneau qui a été posé. Le counter qui, malheureusement, est passé l'immatériel. Il y a Esmo. Il y a rien qui se barre. Il y a rien qui se barre. Qui c'est qui est mort? Est-ce que c'est... Je crois que Glanicon est mort. Ici, on a une Blossom qui est en train de se heal. Je veux voir du rect. Le temps qu'il ait explosé tout le monde, hein. Parce que j'ai vu cette Jemila, c'est une vraie Jemila, hein. C'est pas une fausse Jemila. Pire téléportation, le Varesh qui n'a pas assez de téléportation. Le Rocket Booster qui est utilisé, Pipe qui rate malheureusement ça, il le rattrape pas jamais. C'est le combat des Blossoms. Le Fight of the Queen. Le piège malheureusement qui est pas entendu. L'ulti qui est balancé de la part de Cute Unicorn. Et il se reprend. Non, elle va mourir. Elle a un HP. Elle va mourir sur ça. Est-ce qu'elle va mourir là-dessus? Attention, auto-attaque. Oh, elle renvoie. Elle l'a abattu. Attention, il y a la zone qui arrive. Faut pas grid là-dessus. Le tonneau, en fait. Oh, my God. Oh là là. Oh, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui a renvoyé. Elles vont mourir toutes les deux. Ah, attention. Est-ce qu'elle va survivre? Là, il faut qu'elle récupère. Qu'elle récupère les bottes, le diadème, sinon elle va mourir. Oh là 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 là. Elle veut pas récupérer le stuff. Ok, c'est bien sorti. Jerninja, qu'est-ce que tu fais? Run, mec! Qu'est-ce que tu fais dans la zone? T'as tué quelqu'un? T'as tué personne en plus? Jerninja, il est en train de jouer full zone en fait. Oh, mais ça fuit! Stopnote qui est dans un coin avec sa petite destinée. Quelqu'un qui arrive. Regardez ça! L'auto-attaque! Il le cutter! Non, le cutter qui a été proc malheureusement. Parti! On n'est plus que 10! Plus que 10 dans cette première game. Incoming. Attention, TQMR! TQMR qui est là! Il a pas pris son rook pour les premières games! Il le garde, TQMR! Hein? Vous savez que c'est tout sur notre petite Blossom. Blossom qui est quand même en train de lui défoncer l'ulti de la part de Jerninja, malheureusement. Heureusement, ça ne la tuera pas. Le E qui est présent, hein. Elle va balancer son ult. Non, attention, c'est tendu. Il y a l'ulti d'abord. Elle va balancer l'ulti. Le Versailles. Ulti maintenant. Non, ça passe pas. Jerninja qui est trop fort. Paloma entre deux feux. Paloma qui va mourir. Hein. Je suis désolé, Paloma. Adieu, Paloma. Et c'est un top 4. Non, c'est pas un top 4. Attention. Si, c'est un top 4 pour la Paloma. Oh, attention. Le Q-spell. Il a fait une barrière. L'ulti. Ça le fait grid. Il perd tellement d'HP là-dessus. Il est mort. C'est un top 3. Maintenant, on est parti sur le top 1v1. Pipe contre TQMR. Pipe qui s'est battu toute la game. Pipe qui n'est qu'un qui l'a joué. Il a fui. Il a beaucoup fui. TQMR qui le crame. L'ulti, malheureusement. Est-ce que ça va suffire? Le route, il tout l'ulti. Le camouflage. Le stun. Et l'ulti qui est cancel ici. Attention, est-ce qu'il peut le faire? Oh non. Il le tue. Il avait 2 HP. Il l'a tué alors qu'il avait 2 HP. GG à tous. C'était magnifique. Non. Les tonneaux. Le R qui ne proc pas ici. L'ulti, une fois. Ça ne passera pas plus. Oh, regardez qui c'est qui arrive. Ne serait-ce pas une Blossom? Ne serait-ce pas Yaria qui va finir le travail et tuer le Ulrich qui était trop bien dans sa game? Et pendant ce temps, il se barre malheureusement. Est-ce que ça va suffire? Il va exploser dans ce coin. Il va exploser dans le coin? Sauf qu'il n'est pas tout seul. Stopnote qui est là. C'est son mate. Regardez, Stopnote, il est en train de le chase. L'ulti. Ils sont tous en train de chase des KMR. Qui tombe sous les coups de 4 personnes. Oh my God. C'est n'importe quoi. Stop. À part s'il joue super bien, je pense qu'il meurt. Il prend. Oh là là. Il cancel la zone. Pendant ce temps, Stopnote qui est en train d'exploser. La terre entière. Il est à 3 kills. Kishino, c'est quoi ce gameplay? Non mais les mecs, il a vu le pseudo, il part en courant. Mais aide l'honneur, mon frère. Sois là, s'il te plaît. Aide l'honneur, montre-nous que tu es présent avec nous, en fait. Ah, on a enfin un Raygun qui va mourir. Regardez, c'est magnifique. Il s'est explosé par Kishino. Le Bako qui est encore présent. La Blossom qui est en train de faire chier le Bako, hein, quand même. Alors, est-ce que Kishino et Blossom, vous serez pas... Que Pipe est en train d'essayer de trouver des potions. Il a pas de potions, c'est la merde. Luminari qui auto-attaque. C'est Kishino encore.
l'ulti qui est balancé, et c'est la mort. La Blossom, qui cette fois, va mourir, parce que Luminary, il a pas peur. Luminary, il voit pas le pseudo. Luminary, il voit la mort, c'est tout. Oh ouais, j'en ai déjà assez un double duel qu'on a ici. Paloma qui va mourir, malheureusement, de la zone, je pense. Regardez. Ah, il meurt de la zone, c'était super. Il a le Q-spell, il a le Q-spell encore. La potion de soin. Il le laisse, potion de soin. Non, il le laisse pas. Le counter qui est proc, il est proc instant au counter. En duel, je parie malheureusement sur Luminary, étant donné son level avec Jemila. Mais sachez que Luminary, quand même, il a pris sa Jemila en first game. Oh, l'ulti qui est raté malheureusement. Le counter qui est cancel directement. Le stun, l'auto-attaque. Le Bakou peut encore le faire. Il y a l'ulti de la part de Luminary, mais il peut encore le faire. Il balance, malheureusement, c'est raté. Le counter qui est reproc de la part de Luminary. Regardez, il est là. Il est cancel. Luminary qui peut aller chercher son espace légendaire. Luminary qui s'est fait exploser. The Chaos. Oh non, The Chaos qui se fait voler tout son stuff. The Chaos, le counter qui est proc. Mais tue-le. Luminary, il le tue pas. Il a de la peine, il a de la pitié. Il a de la pitié, il veut le faire jouer, regardez. Ça c'est du vrai fair play. C'est il le tue pas parce qu'il a envie qu'il joue. Luminary, il est... Oh my god. Faucon qui a fait la première victime. Mais par contre, The Chaos, est-ce qu'il va pouvoir... Malheureusement, la peine et la pitié de notre très cher Luminary aurait été de courte durée. Il va cancel. Vous avez une Taïa qui arrive. La Taïa qui va finir tranquillement le petit HK. Un petit HK est demandé en résurrection peut-être. Le stun, la dernière auto. Et c'est la mort. Pas le fight. La Taïa, c'est qui la Taïa par contre? Hunter Souls qui est en train de fight. On ne sait pas du tout. Top Nuts qui va défoncer des gens avec Taïa, je pense. Et qui va le défoncer, hein, malheureusement. Désolé, Hunter Souls. Ok. Le space, le Bako, la mort. Non? Non? La mort. QMR qui est en train de mourir? T'es QMR? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es QMR, qu'est-ce qui s'est passé? Il est. Regarde. Ah non, il est pas tout seul, excusez-moi! Il y a un fight, il y a double fight, exact killer. Et StopNote qui n'a aucune peine avec sa Taïa. Maigre qui est en train de se faire exploser par un Bako. Quoique, est-ce que Bako va faire. Est-ce que Bako va mourir? Je pense que Bako. Oh, il s'est fait abattre. Il s'est fait abattre. Et c'est la mort. C'est la même pas. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas TQMR ici. Hein. C'est pas TQMR, c'est une autre Disney. Les vrais hommes vont middle. Le stun, malheureusement, qui ne passe pas. Notre très cher. Il fait agresser par une traînée de taille. Ouais, c'était StopNote. Hein. Il a agressé pas mal de gens hein, sur cette game. Le silence qui est passé sur le HK. Le stun, l'espace qui est pas relancé. Parce qu'il savait. Qu'il allait avoir l'ulti de la part du HK. Le stun qui est placé pour mettre le counter derrière. Malheureusement, ça ne passe pas. Le space, l'auto, le space, l'auto, le silence. Ouh, c'est compliqué, hein. Ça me paraît compliqué. Oh non, il s'est fait ouvrir. TQMR qui s'est fait ouvrir. Il est balancé de la part de notre petite. Ouh, elle survit avec sa Taïa à 1 HP. Pendant ce temps, ils sont en train de se fight. Mais allez, la chase, c'est Taïa. Allez, arrêtez, elle est en train de vous voler le top 2. Non, elle vous volera pas le top 2. Par contre, là, c'est le duel final. HK contre Taïa. Le stun. Aigre qui balance tout. La bête de la forêt. GG. GG. Il balance son stun. Le space, c'est trop trop bien joué de la part de Jamila. C'est trop 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 bien joué, Faucon. Il mounts. Oh là là là. Auto-attaque. L'auto-attaque. Il est en train de défoncer la Jamila. Est-ce qu'il est là? Non, le counter. Oh là 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 là. Il là-bas, ils vont mourir tous les deux. Stun, TQMR. Oh, TQMR, regardez. Oh là 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 là. Il a pas eu de chance. Il était en train de défoncer une Jemila. Il s'est fait exploser par TQMR. Il y a le camouflage. Il y a les doubles stun. Et c'est la mort. Oh là 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 là. C'est bad pour ce kill. C'est bad pour ce kill, mais c'est le croc qui va l'avoir. Par contre, le croc risque de mourir. La bête de la forêt qui est balancée. Oup. La bête de la forêt, attention. Le. Oh, la pierre de téléportation, bien joué. Un fight par contre qui arrive. Hein. Le counter qui est balancé. Le space. L'auto. Luminary. Luminary qui est quand même en train de mettre la sauce. Hein. Et ça, c'est assez beau. Ça, c'est juste assez beau. Les auto-attaques, ça ne passe pas. Le space. Pearl, elle est. Non, regarde. Pearl, elle est entre 3 personnes. Là, ça va fight. Là, il va y avoir 2 ou 3 morts. À part s'ils fuient tous comme des. Comme des petites. Hein, voilà. Bon, par contre, contre Iva, excusez-moi, contre Iva, c'est la Iva de Rooney. Il a raté son E, par contre, il n'aurait pas dû balancer.
Ah là 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 là, it works, mais ça ne suffira pas. Le... Ça, ce combo est très très bon, on l'a pas voir plus tard, déjà on va finir celui-ci. Pendant que nous avons notre Ulrich, contre... ils sont au niveau 50 par contre. Le... Là, le chiffon va être très très chiant. Il va être très très chiant pour tout le monde parce qu'il est niveau 50, qui met de gros dégâts, regardez-moi ça. Une, deux, trois auto-attaques, il cancel, le kick droit qui a raté. Oh, le counter qui a été proc sur le R par contre. Et c'est la fin. C'est la fin. Hunter Souls qui auto-attaque, le stun qui est mis, le counter, les deux counters qui ont été procs. Le R par contre, puisqu'il y a plus qu'un counter. La pierre téléportation, Taptos qui esquive les cailloux pendant que Jarninja il va au shop, hein. Il a raison, après il est niveau 50, qu'est-ce qu'il va acheter là, ça c'est la vraie question. Ils sont tous niveau 50, regardez leur stuff, ils sont tous presque tous en légendaire. La stop note qui esquive, le counter qui a été proc, l'ulti, le R, le double R hein, qui peut être balancé. T'es QMR, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il essaye d'esquiver, il attendait pour tempo. Oh là là, malheureusement TQMR qui est fini ici. Et là par contre ça va être un bon. Parce que Shifu contre Taya, en vrai, si les counters sont pas proc. Oh non, il est bloqué. Regardez-moi ça. C'est un peut-être qui mène niveau point pour le moment. Ok ok, bah, GG à lui. Regardez ça, regardez ça. Il s'est pris mes full dans la bouche. Le counter qui a été proc. L'auto-attaque, elle peut respace hein. L'ulti, l'ulti qui va être proc je pense. Jardinja qui est dans la merde. Le counter, l'ulti qui est pris, l'immatériel qui ne suffira pas. Le R, la cape, forcément. Le clic droit, est-ce qu'il va rater ses auto-attaques? Ça c'est la vraie question. Le counter qui reproc. Le A, l'immatériel. Attention, oh là 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 là. Le stun contre le mur qui a fait. Le stun contre le mur qui a fait la def. C'est pas du tout broken Taya. Eh hey, Taya, c'est bien joué. GG. Oh non, il va mourir. Mais il va mourir de manière tellement décevante, exactement. Enragé, c'est le fight de la... du siècle. Ah, Glanicon qui s'enfuit. Hein. Glanicon qui s'enfuit, malheureusement. Fight un Jarninja niveau 29 alors que t'es niveau 43. Est-ce que c'est une bonne idée? L'ulti qui est balancé. Le... Oh là là, regardez-moi ces dégâts. Et là, c'est le counter. Oh là là, Jarninja qui les a explosés. Droit, malheureusement. Ah, par contre, regardez ce qui se passe. Le Lyric. Oh, l'élan. Oh, malheureusement, l'élan qui se fait. Ah, il se prend des explosions. R, le... Non, non, ça passera pas. Le silence qui a raté par contre. Le A encore une fois. Esmo joue bien. Esmo joue très très fight. Oh là 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 là. La bataille des rooks. La bataille des rooks, regardez-moi ça. Il s'incape. Il balance des E. Il y a un autre rook qui arrive. C'est vraiment la bataille des rooks. C'est magnifique. Oh là là. Rocket booster et on s'en va. Donc, on... sur le jeu. Mais oh non, il a raté ça par contre. C'est dommage. L'ulti. Ah là. Oh. Attendez. Oh non, non, ça passera pas à la zone. La zone qu'il a explosé malheureusement. Stuntos qui va. Pierre TP, ok, pour pas prendre trop de dégâts. Si vous allez dans la zone. Ah là là, Pestilus qui est dans la tourmente, qui se prend en premier espace. Le shield qui est mis. Les deux rooks qui sont contre le Pestilus, c'est tellement triste pour lui. Le stun qui est posé. Le caillou, l'armo break aussi. La panique sur les deux, très bien joué de sa part par contre. Le stun sur le deuxième rook, on continue à le suivre hein, malheureusement. La pierre téléportation Snopzop qui va. Stop notes, pardon. La strat! Rukan! Rukan, la strat! Rukan, regardez cette strat! Emdal! Emdal qui est là, qui a fait la meilleure strat du jeu! La strat tonneau! On l'avait pas vu encore! Est-ce que ça va lui suffire? Je ne pense pas, parce que là, il est mort. Il est malheureusement mort. La panique, il reste plus que ces trois personnes, deux rooks et un Pestilus. La zone aura raison forcément d'eux. Dans tous les cas, il n'y aura qu'un seul grand vainqueur ici, c'est la zone. Vous savez, qui est en train... Qui est TQMR, pardon. Qui est en train de... Mais attendez, TQMR, il est pas mort, c'était pas lui tout à l'heure, excusez-moi. Je me suis full trompé. C'est pas grave, l'ulti de TQMR. Le blind. Oh là là, l'ulti. La panique, les deux rooks qui sont en panique. Stop Dutch qui va faire un carnage là-dessus. Regardez-le avec son Pestilus, il a trop bien joué. Putain, c'est insane. C'est insane. Et que par contre, Stop Dutch, le duel. Le caillou. Oh, la puissance du caillou. Hein. Ça, on s'en rappelle, la puissance du caillou dans les premiers levels. Hein. Eh bien, là, ça va être peut-être la même chose. Le stun, malheureusement, qui est pas passé. Le space. Le R qui ne passe pas. Le caillou qui est lancé de la part de notre rook. Le R qui est relancé, malheureusement, ça ne passera pas. Le stun, le space. L'invulnérabilité, il met quand même de gros dégâts. Il met de gros dégâts. Il met de gros dégâts. Il le stun. Oh là là, il le stun into un cap. Il joue trop bien. Il a trop bien joué là-dessus. Hein. Regardez le Pestilus, les dégâts qu'il a mis. Par contre, en zone courte. Oh là là. Oh là là, il est sur lui. Oh là là, le R. Le stun. Le stun, l'auto. Oh là là.
GG, well played. GG, il l'a explosé. C'est revenu. Ne vous inquiétez pas. Spec moi. Mais Kiops, calme-toi, je viens de spec, mais je sais pas où t'es. Ah, cute unicorn, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas grand-chose comme item. Il lui manque quand même son E là-dessus. Hein. Elle l'a récupéré, c'est bon, j'ai rien dit. Tuka qui est en train de balancer des cailloux. Pendant ce temps, c'est Fight. Oh oui, oh les tonneaux, oh les tonneaux, oh les tonneaux qui lui font presque tuer. Qui l'ont presque tué. Donc, on va regarder Kiops. Il est là, il farm. C'est ennuyant comme gameplay. Va Fight, va tuer des gens, putain. Ah putain. Oh, je garde sous la main. On a Kiops et Glanicon. On peut les suivre tous les deux. Oh, Kiops. Kiops, un petit fight. Hein. Kiops qui est en train de se faire chase. Et Kiops qui ne veut pas fight, regardez-le. Oh si, ça auto-attaque. La Lysia. C'est Pipe. Hein. Pipe, je vous rappelle, avec son pot qui, durant les premières games, a été vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Les auto-attaques qui sont bien placées. Le Q-spell qui est parti. Oh, ça esquive. Ça esquive les auto-attaques de la Lysia. C'est très, très fort, ça. L'auto-attaque. Est-ce qu'il va mourir, Pipe? Est-ce que... Ah, là, il a défoncé Pipe. Il a défoncé Pipe. GG pour ton premier kill. Kéops, GG à toi. C'est magnifique. Glanicon qui... Oh là 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 là. Est-ce que ça va passer? Le oh là là, ça passera pas malheureusement. Kiops, Kiops, Kiops dans la tour, Kiops aussi. Kiops pas. Pendant ce temps, la Blossom qui se fait chasser par un élan. Esquive l'élan, esquive l'élan, esquive l'élan, esquive l'élan. Esquive l'élan. Non, il esquivera pas l'élan. Le En vrai, à un moment, il va falloir que tu space hein, pour esquiver l'élan. Voilà, c'est pas mal. Le R. Non, il esquive. Très bien, en vrai, très bien. Oh, il va mourir. C'est Greninja, je crois qu'il est mort. Il me semble. J'ai pas vu le pseudo. Top ce qu'il a par contre, qui est dans sa lignée, qui défonce des gens. Hein. Voilà, y a pas de souci. Ah, oh, il esquive tout. Il en a esquivé 3. 3, mais est-ce que ça suffit? Ah, oh, il veut pas fight. Le problème, c'est que mec, si tu fight pas, là, t'es mort en fait. Il va te tuer, Emdal. C'est trop tard. C'est juste trop tard. Malheureusement, c'est normal. Oh, la poule pour le BM, c'est triste. Stop that, c'est quoi ça? On veut pas de BM ici, soyez gentils dans le chat avec eux. Il reste 3 personnes. Il reste Stop Nut avec 7 kills. Hein. Il reste une tourelle et un tonneau. C'est qui? C'est la Lucie. Oh non, elle est sortie de ce heal tranquillement. Pendant que Sifarius reprend sa place. Il est où? Il est où? Strat tonneau. Oh, strat tonneau. Regardez la strat tonneau. Oh, la strat. Et pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors maintenant? Non, tu vas trop loin, René. René, c'est le... Oh là là là, c'est le grid. C'est le grid. René qui est juste mort, en fait. Non, il revient. Il revient pour se prendre l'ulti. Non, il revient pour esquiver les ultis. Est-ce qu'il va gratter un top 3 là-dessus? Il méritait. En vrai, René, il méritait de ouf. C'est 3FR. Mais c'est cool, ça fait plaisir. La dernière finale, c'est 3FR. Et on a StopNuts qui est en train de balancer des auto-attaques sur la Lucie. La Lucie qui utilise son shield. Elle se prend les dégâts. Ah, la panique est mise dans le mauvais sens, malheureusement. Le petit rôle. Elle met de gros dégâts, Lucien, quand même. Hein. En royal, c'est pas mal. Hein. Ah, l'ulti sur elle-même. Elle s'est fait route, elle roule. En vrai, elle s'en sort pas mal. Hein. Pour un 1v1, c'est vraiment, vraiment correct. La panique, l'auto-attaque. Elle va se faire full silence. Et là, ça va être compliqué. Le shield qui est mis une première fois. Et c'est fini. GG, StopNuts. GG à tous.